c'est l'heure de notre invité politique de la semaine. On va accueillir le député maire de Lourdios-Sichère dans les Pyrénées-Atlantiques. Plusieurs fois, il s'y fait remarquer, évidemment, dans le paysage politique français, notamment avec sa grève de la faim, souvenez-vous, c'était en 2006, ou même son Tour de France à pied, sa fameuse marche, en 2013. Et même encore, tout récemment, le 8 janvier dernier, quand il a rencontré Bachar el-Assad en Syrie. Ce soir, il vient nous présenter son livre, Un berger à l'Elysée, publié aux éditions de La Différence. Mais ne l'oubliez pas, il est candidat à la présidentielle 2017. Voici monsieur Jean Lassalle. Monsieur Lassalle, bonjour. Je vous en prie. Vite. Ici. Vous n'êtes pas, monsieur Lassalle, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai cru que ça allait durer 10 minutes encore. Vous n'êtes pas encore dans la fonction, mais vous êtes déjà président, là, je vois, la façon dont vous vous comportez. En effet. Mais on ne sait pas dans quel film. Parce que c'est très rare de voir un politique comme ça, serrer les mains de tout le monde. C'est parce que j'ai besoin de les toucher au cœur. Ah. Oui. Et d'ailleurs, vous aussi. Ben, oui, moi, je le fais à travers l'écran, j'espère, de temps en temps. Vous touchez beaucoup. Je vous en ai voulu. Ah, pourquoi vous m'en avez voulu? Parce que vous m'avez ignoré pendant très longtemps. La dernière fois, c'était très longtemps. Oui, mais regardez, là, vous êtes invité principal d'une émission politique. Oui, mais je dois dire quand même la vérité, parce qu'après, il faut la dire depuis le début. C'est-à-dire, vous me reprochez de ne pas vous avoir invité assez souvent, c'est ça? C'est-à-dire, la dernière fois, c'était encore Nolo et... un moment. Ah, Nolo et Zemmour. Par contre, vous m'aviez invité trois fois auparavant. Ah, vous faites les comptes en plus. Oui. Non, c'est-à-dire qu'à travers vous, je veux parler de quelque chose de très sérieux. C'est notre pays est en grande souffrance de la pusillanimité de son monde politique et du fait aussi que la presse n'est plus pluraliste comme autrefois. Vous trouvez que la presse non plus ne parle pas suffisamment de vous et de votre candidature? Écoutez, il y a 8 mois que je suis candidat. L'autre jour, je trouve un maire et il me dit justement, je voulais vous voir. Je voudrais que vous soyez candidat à la présidence de la République. Je lui dis, ça tombe bien. Il y a 8 mois que je suis candidat. Oui, peut-être que si vous aviez voulu qu'on parle un peu plus de vous en étant candidat, il aurait fallu passer par les primaires de droite plutôt que celle de gauche, à mon avis, parce que c'était quand même les primaires de droite et du centre, et au départ, vous étiez du Modem. Je ne sais pas si vous appartenez encore à ce parti, le Modem. Une question après l'autre, je ne voulais pas faire partie des candidats stagiaires. Ah. Vous considérez qu'Alain Juppé... Totalement. C'était un candidat stagiaire. Vous avez vu d'ailleurs la fin de stage. Oui. Bon, d'accord. Campo Modem. J'ai quitté le Modem, ça a été une déchire personnelle très profonde, parce qu'on ne quitte pas un mouvement dans lequel on est depuis 30 et quelques années. Et puis, François, mais politiquement, François est un ami, j'ai beaucoup appris avec lui, c'est un grand homme. François, c'est François Bayrou. Bayrou, évidemment. Bien sûr. Mais j'ai quitté le Modem comme j'aurais quitté le PS, ou comme j'aurais quitté les Républicains si j'y avais été. François Bayrou, ce que vous lui reprochez, c'est un, d'avoir voté François Hollande à la présidentielle en 2012, alors que vous avez voté Nicolas Sarkozy, hein, si je ne m'abuse, au deuxième tour. En tout cas, au premier tour aussi. Non. Non, au premier tour. François Bayrou. Quand même, hein, mais on ne sait jamais avec vous, hein, tout de même. Ah ouais. Hein. Donc, Bayrou au premier tour, Sarkozy au deuxième tour. Et après, vous lui avez reproché, finalement, de donner une investiture aux élections régionales à quelqu'un qui n'était pas vous. Vous auriez aimé être le candidat oui. Régional dans votre... C'était un peu ça, c'est-à-dire qu'il m'avait vu en prince consort,
ou qu'on ne sort pas d'ailleurs, de madame, je ne sais plus comment. Virginie Calmez. Voilà. C'est elle qui avait été désignée parce que aussi elle était désignée par Alain Juppé. Mais... C'était la stagiaire du stagiaire. En quelque sorte. Je voudrais signaler, dans un instant on va donner la parole. Non mais attendez. Allez-y. C'est parce que depuis longtemps ça me travaille cette affaire. C'est pas qu'on ne quitte pas, on ne se présente pas à la présidence de la République parce qu'on a un petit problème d'ego. J'en ai eu beaucoup. Heureusement. Dans ma vie. Voilà, c'est pour vous répondre. Et ensuite, parce que, au fond, je sentais que ce n'était plus la réponse. J'ai défendu passionnément les trois campagnes électorales de François Bayrou, parce que je croyais que c'était la troisième voie et qu'il l'incarnait remarquablement. Puis j'ai vu que ce n'était plus le cas. C'était beaucoup plus grave aujourd'hui. Donc j'avais deux possibilités. Ou arrêter. Après tout, il pouvait y avoir quelques mérites à arrêter à 60 ans. Les politiques restent beaucoup trop longtemps. Mais partir avec une retraite de député, il y a pire sort. Et je me trouvais une gueule de salaud dans la glace en me regardant le matin. Car vous ne voulez pas... J'ai décidé d'aller au bout de mes idées. Vous voulez sauver la France? Non, je veux la retaper. La retaper. Parce que cette fameuse marche dont on a parlé, combien de kilomètres à travers notre pays? Selon les chiffres, entre 5 et 6 000. Moi, je dirais 5 500. Voilà, entre 5 et 6 000 kilomètres à pied à travers la France vous a permis de rencontrer les Français. C'est là que vous avez constaté que le pays allait mal. Je le savais avant. Mais je ne pensais pas que c'était si important et que la fracture était si grave et qu'elle serait si longue à résorber. On va regarder un extrait d'un film qui sortira le 8 mars prochain, un film qui vous est consacré, réalisé par Pierre Carle et Philippe Lespinas. Ça s'appelle « Un berger à l'Elysée », avec un point d'interrogation là quand même. Il vous aime bien, Pierre Carle. Oui, assez vrai. Ah bah écoutez, non, je ne le connais pas suffisamment, mais je suis ravi de l'apprendre. En tout cas, vous ne mettez pas de point d'interrogation. Eux, pour le film quand même, qui sort le 8 mars, ils ont mis un point d'interrogation, « Un berger à l'Elysée ». C'est normal, c'est des cinéastes. Et, oui, et ça va nous permettre de revoir quelques images de votre parcours politique et surtout... Des choses assez étonnantes, on a choisi des extraits assez récents où on vous voit réagir à des appels téléphoniques ou à des textos. Est-ce que je peux demander d'abord, s'il vous plaît? Allez-y. Je ne ferai pas. Je voudrais demander à l'ensemble des psychiatres qui pourraient être amenés à regarder cette émission ce soir, ou dans les soirs à venir, ou dans les jours, de bien m'examiner. Pour me donner leur sentiment. On en a prévu dans la salle. Ça tombe bien, j'aurai leur verdict à chaud. Pourquoi mais je vous préfère dites... aussi l'ensemble de la... Pourquoi vous dites ça? Parce que les gens pensent que vous êtes fou. Parce qu'on a répandu dans les rédactions parisiennes, et là, François, il avait été un peu loin. François Bayrou? Que j'étais un petit peu dérangé. Qu'il avait réussi à me gérer pendant 40 ans. Oui, il a dit on ne peut plus le tenir, François Bayrou, voilà. Votre... Il a dit on ça. On ne peut plus le tenir. Il a dit ça, oui. C'est... Et il a dit, bon, voilà. En fait, il me voulait juste un cran au-dessous, mais moi, ça ne m'embêtait pas du moment que je croyais à la victoire. C'est le jour où j'ai vu que ce n'était plus la réponse. Voilà, donc je voulais, mesdames et messieurs les psychiatres, regardez-moi, j'ai besoin de vous. Alors... Ça ne va pas arranger votre état à un film entier qui vous est consacré, qui sort le 8 mars prochain. La parole est à M. Sarkozy. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le Premier ministre vient... Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous, Monsieur... Comment il s'appelle, lui? Monsieur l'huissier, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît? Pourquoi vous êtes-vous mis debout face à lui? Quel message aviez-vous l'intention de faire passer? Mais il n'est pas interdit de s'exprimer de la façon, de la façon que l'on ressent le mieux. Aujourd'hui, rien ne passe. Qu'est-ce que ça disait votre chant Bernet? Alors, le chant Bernet, c'est un chant, c'est un très beau chant des Pyrénées, un chant d'amour, un chant d'amitié, un chant de paix qui dit que les hommes doivent retrouver les moyens de s'entendre, de se parler entre eux. On m'a demandé quelles étaient les chances de Alain Juppé. J'ai répondu nul. Allô, monsieur Lassalle, c'est Alain Juppé qui parle ici. Je voulais simplement te dire que tu ferais bien de réviser un peu tes leçons de politique parce que mon parcours politique ne ressemble ni à celui de Raymond Barre ni à celui de Balladur. Moi, c'est un peu différent, je te le rappelle. Ça fait un moment que je roule ma bosse et que je venais bien le métier. Tu vas voir, je vais t'étonner. Enfin, ton truc m'a fait de la peine. Je vais t'étonner. Salut. Sarkozy, chlan. Juppé, chlan. Hollande, chlan. Et vous vous rendez compte, j'ai encore rien fait, moi.
Macron. Alors, cher Georges, je te vois faire et tu me vois faire. Parlons-nous à ta convenance, car il y a nombre de valeurs et d'actions que nous partageons. Nous ne partageons pas les mêmes approches, et s'il avait été là quand Millerot faisait hier son discours, il y aurait eu peut-être moins d'enthousiasme. Chemin. Alors, on sait que c'est... On sait que c'est le style hein, des films de Pierre Carle de dévoiler évidemment les coulisses et les secrets, parfois des médias, mais là de la vie politique en l'occurrence. C'est quand même des méthodes curieuses hein, de faire entendre le message que vous laisse Alain Juppé ou de montrer à tout le monde le texto que vous envoie Emmanuel Macron. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous croyez que je suis le seul. Mais là, c'est plus un verger à l'été, c'est une balance à l'Assemblée. Expliquez-moi pourquoi vous faites ça. C'est une façon de voir les choses, c'est pas la mienne. Bah, c'est des choses quand c'est même du domaine privé. Public, non. Nous étions dans un moment très chaud, précisément. Et dans un moment très chaud, il avait pris la peine de me téléphoner. Il s'était dérangé. C'était pas un message très encourageant ni amical qu'il me tenait. Donc, quand on aspire à devenir président de la République, il faut savoir aussi à qui on a affaire. Emmanuel Macron, par exemple, manifestement, il aimerait bien que vous le rejoigniez. Ça n'est pas possible? Non, non. Par contre, la demi-finale pourrait bien se jouer entre nous. Et quand même, vous avez bien conscience, vous allez me dire les sondages, que pour l'instant, dans les sondages, vous êtes inexistant, monsieur Lassalle. Mais écoutez, il ne se passe pas une minute sans que vous parliez de lui. Il peut aller à la City chercher du pognon, enfin, je veux dire, hein, voyez ce que je veux dire. Il est filmé, c'est un acte exceptionnel. Monsieur Macron. Monsieur Macron. Il va même aux États-Unis chercher du blé, c'est exceptionnel. Je ne sais pas comment il a réussi à passer les 2,6 millions. De la banque Rothschild, je crois qu'il n'a pas payé beaucoup de taxes d'ailleurs. Donc ces deux visions, certes, intéressantes parce qu'il fallait régénérer le débat et les hommes qui portent le débat de notre grand pays. Mais c'est moi qui gagnerai. C'est vous qui allez gagner. Alors là, vraiment, c'est là où on est surpris hein, par votre conviction. Vous me direz, se présenter et ne pas y croire, ça ne sert à rien. Mais vous comprenez que parfois, on puisse juger cette candidature fantaisiste. Ça vous vexe quand on pense ça? Non, il ne faut pas se vexer. Ça ne sert à rien parce que quand vous êtes vexé, vous avez un autre boulot derrière. C'est celui de vous dévexer. Mm-hmm. Quand on a la chance d'avoir Laurent Ruquier en face de soi, on ne se vexe pas. Alors vous avez en plus... Qu'on a la chance d'avoir un homme qui fait honneur au pays. Vous avez en plus Vanessa Burgraff et Yann Moix en face de vous. Vanessa d'abord. Vous parlez beaucoup dans votre livre, donc j'ai lu attentivement, de ce sentiment de trahison des Français à l'égard des partis politiques. Et vous commencez d'ailleurs votre livre en disant « Les Français haïssent les partis politiques, ils les considèrent comme des systèmes mafieux ». Moi, ce qui me gêne dans votre livre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de propositions. Alors sur cette question-là, comment retisser le lien entre les Français et les politiques? Parce qu'il y a des propositions, par exemple, qui sont faites par Arnaud Montebourg, qui propose de faire rentrer des citoyens français au Sénat, Jean-Luc Mélenchon, qui propose un référendum révocatoire. Vous, qu'est-ce que vous proposez? Parce que je trouve que c'est ce qui manque un peu dans votre livre ou dans votre programme. Donc sur cette question-là, qu'est-ce que vous proposez pour retisser le lien? Ce qu'il propose là est trop compliqué. La manière de retisser le lien, c'est ce que nous faisons tous les deux en ce moment. Nous parler les yeux dans les yeux. Mais c'est un peu court, pardonnez-moi. Pas désagréable. Pardonnez-moi. Mais Parce qu'à travers vous. Non, c'est. À travers vous. Non, c'est poétique c'est ce que France. Vous me dites. Et à l'échelle France de 70 millions de personnes. C'est la France que je touche. C'est les 2 millions, les 3 ou 4 millions, 5 ou 6 millions que je touche. Parce que votre rôle, c'est de passer précisément l'information. Le mien, c'est de la faire. Et c'est de me donner l'information. Là, en l'occurrence, vous ne l'avez pas donnée, mais ce n'est pas très grave. Ça viendra. Est-ce que, j'espère sur la prochaine question, vous voulez donc réconcilier les Français avec les hommes politiques? C'est ce que vous dites dans votre livre. Est-ce que vous estimez que vous donnez aujourd'hui l'exemple, vous, en tant qu'homme politique? Je ne sais pas. Je suis mal placé pour le savoir. Je porte rarement des jugements de valeur sur moi-même. Je vous pose la question parce que vous êtes l'un des députés les plus absents à l'Assemblée nationale, alors que vous touchez vos indemnités parlementaires. Oui. Est-ce que vous donnez l'exemple, justement? Oui, je me demande si France Télévisions donne l'exemple lorsqu'il se laisse aller
à prendre précisément cette statistique, exclue de l'ensemble des actions, et en ne donnant pas d'explication. La seule explication, c'est on me fait dire j'assume alors qu'on m'avait interrogé pendant demi-heure. Non, c'est vrai, 15% dans une des commissions les plus importantes. Mais vous savez, j'ai choisi d'être un député libre. Moi, je n'ai pas 250 ou 300 collègues qui signent à ma place quand je ne suis pas là. Or, je dois être dans ma circonscription. Mais est-ce que ce n'est pas gênant de toucher ces indemnités parlementaires de plus de 12 000 euros par mois et de faire preuve d'absentéisme à l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est montrer l'exemple, justement? Est-ce que ce n'est pas justement ce qui crée aussi, pardonnez-moi si je peux terminer, est-ce que ce n'est pas aussi ce qui crée la défiance, justement, des citoyens, des Français vis-à-vis des politiques, ce type d'attitude? 5 500, d'abord. Oui, après, il y a des frais, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a aussi des frais, vous savez, des frais de mouche. Il y a ensuite 7 000 euros d'indemnité pour l'exercice de ses fonctions. Il y a 9 000 euros pour payer ces trois attachés. Moi, j'en ai eu jusqu'à 7 ou 8. Alors, est-ce que je donne l'exemple? Selon ma conscience, oui, et je suis très fier de ce que je fais. Vous pensez qu'il vaut mieux aller au contact des Français que d'être à l'Assemblée nationale, si je résume ce que vous venez de nous dire? Non, je suis à l'Assemblée nationale. Mais si l'on avait pris la statistique des députés qui s'expriment le plus sur les sujets les plus lourds de notre pays, eh bien, votre excellent journaliste aurait vu que je figurais, et de très loin, dans le premier tiers. Et je suis tout seul, je n'ai personne pour préparer mes interventions. Je dois le faire tout seul avec quelques bénévoles. Et ça aurait donné un tout autre éclairage. Donc ça dépend de la manière dont on présente les choses. Je souhaiterais que France Télévisions retrouve un peu d'objectivité. Ah, écoutez, on en a ce soir en vous recevant. Hein. C'est pas tous les jours que vous êtes à la télévision non plus. Donc appréciez votre présence plutôt que toutes les 10 minutes de nous rappeler qu'on ne vous invite pas assez souvent. Profitez-en, vous voyez. Non, mais, autrement, vous allez perdre votre temps si vous répétez toujours ça. Non, mais elle a posé une question qui était lourde de sens. Je me devais d'apporter ma réponse. Alors c'est fait. Un mot sur ce qui s'est passé le 6 janvier dernier. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec Bachar el-Assad, puisque ce voyage de trois, vous étiez trois, hein, trois députés en Syrie, a évidemment été énormément commenté. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous a dit Bachar el-Assad ce jour-là? D'abord, je veux rendre hommage à mes deux collègues députés, parce qu'ils ont morflé, moi aussi. Nicolas Dhuicq, Thierry Mariani. Voilà. Et Thierry Mariani... Et lui, que j'ai trouvé que c'était... Justement, il était psychiatre, lui aussi. Et j'ai trouvé qu'il y avait un certain altruisme dans cette démarche. Mais je veux dire aux téléspectateurs que nous étions accompagnés par des journalistes pour la première fois et à notre demande, qui ont même pu voir, eux aussi, Bachar el-Assad. Il y avait France Télévisions, il y avait RTL et la chaîne parlementaire qui ne m'invite pas non plus, alors que je suis député. Donc nous n'étions pas seuls. Et il y a même un des journalistes qui a eu du mal à me parler pendant un jour et demi. Pourtant, il faisait partie du même voyage que moi. Mais je ne lui en voulais pas et je comprenais qu'il puisse se sentir mal à l'aise d'être à mes côtés. Moi qui allais serrer la louche à Bachar el-Assad. C'est-à-dire qu'il refusait de vous interviewer, c'est ce que vous voulez dire? Non, mais je trouvais comme une... Vous savez, quand quelqu'un n'est pas content à côté de vous, vous le sentez. Oui, une distance, voilà, c'est ça. Parlez-moi plutôt de Bachar el-Assad, plutôt qu'une fois de plus, des comportements des journalistes. Oui, mais il fallait que je... Parce qu'après les politiques, vous êtes ce qui arrivait juste derrière nous. Donc il faut que je vous prévienne. Oui, d'accord, mais on ne va pas faire la soirée là-dessus, non, vous voyez. Non, je sais bien. Il faudrait aussi que vous nous parliez de choses concrètes, non, monsieur Lassalle. Non, mais c'est vous qui m'y avez conduit. Non, donc, là, j'ai pas posé du tout la question. Pas du tout à l'instant parler des journalistes sur ce voyage en Syrie. Je savais qu'il y avait des journalistes de RTL et de France Télévisions qui étaient là-bas, mais ce n'est pas du tout ma question. Ma question, c'est vous, qu'est-ce que vous avez entendu de la bouche du chef d'État syrien? Non, mais Laurent, vous ne l'aviez pas précisé. C'est d'accord, pour ça que je l'ai précisé. Voilà. Très bien. Bien. Alors, c'est fait. J'ai posé la question à Bachar el-Assad, j'ai réservé mon temps de parole pour le concentrer, justement pour laisser de la place aux journalistes ensuite. J'ai dit, Monsieur le Président, je voudrais savoir qu'est-ce que peut ressentir un homme, bien que président, lorsqu'il gaze sa propre population. Et je vais regarder, je voudrais que je me suis tourné vers... le traducteur, j'ai dit, je vous dis que ce soit très précis, Monsieur le Président, je regarderai le moindre plissement de vos cils, de vos yeux,
toutes les expressions de votre visage. Je veux savoir comment on peut faire ça. Et Thierry Mariani a posé la question, celle de ceux qui ont été tués, la colonne qui a été tuée. Alors, j'ai trouvé d'abord, monsieur le président Sade, étonnamment serein, je dois dire. Il a pris le temps, il m'a regardé, et il m'a donné un quart d'heure d'explication. Il m'a dit, écoutez, je ne vais pas essayer de vous convaincre en disant que je suis un humaniste, vous ne me croiriez pas. Et d'ailleurs, rien ne pourrait permettre de dire. Je veux simplement dire que si j'avais fait cela, est-ce que vous pensez que je pourrais rester encore à la tête de mon peuple, avec tout ce qui se passe, et dans mon pays, et ailleurs, si je les avais gazés, si je leur avais infligé ce traitement? Et il a répondu à M. Mariani, quant à la colonne qui a hélas été massacrée, c'est le Qatar et l'ONU a désormais des preuves. Alors, moi, je ne suis pas juge à La Haye. J'allais vous demander, est-ce qu'il vous a convaincu? Mais écoutez, je suis député français. Je suis encore dans la période où, voilà, je demande d'interroger. Par contre, je devais poser cet acte. Parce que, et je le lui ai dit, je suis candidat à la présidence de la République française. Et il me semble plus qu'urgent de mettre fin à cette tragédie. Parce que c'est des centaines de milliers d'hommes. Mais vous l'avez cru? Vous l'avez cru quand il a dit qu'il n'avait pas gazé sa population? Parce qu'on a les preuves. Il y a des rapports. Il y a des rapports des Nations Unies. Je les ai aussi. Vous pensez bien. Et d'ailleurs, Yann, quand on a écrit « Terreur », comme vous l'avez fait, vous savez comme moi ce qu'il en est. Sur le Gaza, je ne sais pas. Mais vous savez comment toute cette affaire a démarré. D'abord, il n'avait aucune envie d'être président. C'est parce que son frère aîné se tue qu'on le fait venir et qu'on le forme d'ailleurs assez rapidement pour remplacer Affaire. Là, vous lui trouvez des excuses. Peu importe j'explique, qu'il n'ait pas voulu devenir président. Mais comme on ne le dit pas souvent... Il n'avait pas tellement envie. Son frère était destiné au pouvoir et remplacé d'un frère qui est mort accidentellement en 81. Oui. Mais les bombardements sur Alep, le régime syrien qui a bombardé à coups de barils de TNT les populations sur Alep, ça, ce sont des faits avérés. Hein. Mais ils sont avérés. Moi aussi, j'ai cru qu'ils étaient avérés, puisque une des seules sorties que j'ai faites durant mon tour de France, c'est de me rendre à l'Assemblée nationale pour aller voter. La déclaration qui permettait au chef de l'État d'intervenir militairement contre la Syrie. C'est-à-dire quoi, moi aussi, j'ai cru qu'ils étaient avérés. Elle est étrange, cette formulation. Eh bien, aujourd'hui, je n'en suis pas sûr, non, Yann. Ah non, c'est très grave. Sûr. Ah, écoutez, mais je vous dis la vérité. Son sentiment. Je peux dire aussi que j'ai vu, parce que, au fond, comme vous me dites, je suis votre invité, c'est mon émission, des faits troublants. Lorsque M. Juppé ferme l'ambassade et tous les consulats, vous savez ce qu'on me dit dans la rue, partout, qui que ce soit, parce que quand vous êtes à Alep, vous avez des hommes et des femmes qui sortent noirs de poussière, vous ne savez pas d'où. Et ils disent, mais si vous vouliez nous défendre contre ce tueur féroce qui nous a gazés, pourquoi vous êtes parti avec votre ambassade? Vous auriez pu accueillir les opposants à son régime. Vous êtes parti comme des Ponce Pilate, et maintenant vous donnez des leçons au monde entier, seulement nous, on en souffre aussi. Mais c'est une chose que de condamner la politique qui a été menée sous le précédent gouvernement, qu'à part M. Fabius, qui a été très critiqué, c'est une autre que de faire sien les propos d'un dictateur qui fait preuve ici de révisionnisme et dont vous accréditez les propos en nous disant que vous n'êtes pas exactement sûr de ce qui s'est passé. Votre parole est quand même entendue ce soir par des millions de gens et je la trouve à titre personnel extrêmement choquante. Non, mais ne soyez pas choqués parce que ce n'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que je ne l'ai dit ni à Laurent ni à vous. Je n'ai pas dit que j'avais pris pour argent comptant. Moi aussi j'ai cru que c'était avéré. Vous n'avez pas dit c'est avéré. J'ai cru que c'était avéré. Oui, et maintenant j'ai beaucoup de doutes. Alors ça, pour moi, c'est grave. Eh bien, c'est grave pour vous. Pour moi, c'est encore plus grave, parce que ça en dit long sur le silence qui s'est abattu sur cette affaire dans les milieux politiques français. Je vous rappelle que je ne suis pas juge à La Haye, je suis député français. Et sur votre silence aussi, mais là, je ne veux pas en faire davantage, parce que c'est certainement, vous l'avez écrit vous-même, la guerre la plus complexe, certainement depuis la dernière grande guerre mondiale. Il y a la guerre sainte, la guerre du pétrole, la guerre du gaz. La complexité du conflit vient du fait que les anti-Assad
sont à nos yeux aussi des assassins. On est pris au piège par ça. Et voilà. Les anti-Assad sont essentiellement des terroristes. Voilà. Mais ce n'est pas une raison. Je peux comprendre, moi, qu'on accrédite que l'axe chiite soit meilleur, c'est ce que fait François Fillon, que l'axe sunnite pour combattre. Ce n'est pas ça que je vous reproche. Vous avez tout à fait le droit de choisir votre axe, si vous tentez que vous en choisissiez un. Ce qui me paraissait plus grave, excusez-moi de Laurent d'insister là-dessus, hein, c'est que vous portiez crédit aux paroles de Bachar al-Assad. C'est juste ça, en fait, que je vous reproche. Mais surtout, c'est que vous niez les crimes de guerre. Vous niez les crimes de guerre. Il y a crimes de guerre, les Nations Unies. Je ne nie rien du tout. Ben, si, lorsque je m'apprête à devenir président de la République, madame. Je ne veux pas me mettre à nier des crimes de guerre. Je ne suis pas à la haie. J'ai fait mon devoir. J'ai été voir sur place. Je ne suis pas là pour dire si Bachar al-Assad a ceci pour voir où est la France aujourd'hui. C'est les Russes qui sont là-bas, avec les Turcs. qui n'ont pas que de bonnes pensées. Et puis surtout les Chinois, qui font beaucoup, beaucoup. Et puis ils vont être rejoints par Donald Trump. Nous sommes dans un monde dangereux. Mais où est la France? La France devrait être dans une attitude de paix. D'ailleurs, dès mon élection à la présidence, je retire toutes les troupes de ces divers théâtres d'opération, immédiatement. Nous n'avons rien à y faire. Vous voulez replacer la France au cœur de l'action et lui redonner une influence mondiale. Et tout d'un coup, vous nous dites que vous voulez retirer les troupes. En gros, ce qu'a fait Obama, d'une certaine manière, et dont il va porter la responsabilité pendant des centaines d'années, car on se souviendra que sous la gouvernance d'Obama, des victimes innocentes sont mortes à Alep et des Kurdes ont été massacrés, de telle manière qu'un jour, on parlera sans doute de génocide. Parce que vous croyez, vous, Yann, qui avait écrit Terreur, que merci j'ai lu d'être mon attaché pas de presse ce soir, mais. Mais non, mais je vous ai lu attentivement. Vous pouvez croire un seul instant que les troupes françaises sont aujourd'hui porteuses de paix là-bas? Ben non, elles sont porteuses de guerre, parce que. Ah, oui. Mais c'est la différence. L'armée est faite pour faire la guerre. Eh bien, moi, je la retire. Dans ce cas très précis, je retire. Elles n'ont rien à y faire. Autre c'est sujet. C'est une très mauvaise histoire, dont nous devons sortir au plus vite. Vous proposez qu'un salarié qui approche de la retraite puisse prendre un jeune avec lui pour le former. Ça, c'est une des propositions que vous faites dans votre livre. Mais là, j'ai envie de vous dire, ça existe déjà, les contrats de génération. Il n'y a rien de nouveau que vous proposez. Vous venez de dire, chère Vanessa, quelque chose qui m'étonne dans votre bouche. Vous parlez et vous dites que c'est avec ça que vous avez traité des problèmes, comme si c'était important de parler. Vous m'étonnez, parce que je sais que vous êtes quelqu'un qui adore convaincre. Moi aussi. On ne se parle plus. On envoie une prime et débrouille-toi. Tant pis si Pôle emploi n'est pas au courant, tant pis si le préfet ne sait rien, tant pis si l'artisan n'a même pas les moyens de se rémunérer lui-même et s'il ne peut pas prendre l'artisan. Tout ça, on laisse de côté. Non, moi, je prends le problème depuis le début et je vais l'expliquer tout au long des 3 mois qui me restent. Mais vous ne l'expliquez pas, pardonnez-moi, de manière très... Vous soyez invité pendant les 3 mois qui me restent. Ah, mais maintenant, je vais l'être. Vous croyez? Vous êtes le déclencheur. Non, mais vous vous rendez compte? J'ai des doutes. Je ne sais pas pourquoi, j'ai des doutes. Bon, mais écoutez... Vous vous rendez compte quand même pour résorber... Non, mais j'ai des doutes. Hein. Je vous trouve moins convaincant qu'avant, monsieur Lassalle. J'ai l'impression pour l'instant que tout ça est un peu... Bah, c'est un peu flou, oui. Un peu flou. Et que, au fond, effectivement, Vanessa Paradis... Vanessa Paradis... Pourquoi je pense à Vanessa Paradis? Vous voyez l'effet que je vous fais déjà? Ah non. Mais oui, c'est-à-dire que... Et je vais faire comme vous s'il y a un psychiatre dans la salle. Il n'y a que quelques minutes que nous sommes en salle. Vanessa Burgraff a raison de dire que pour l'instant tout ça est un peu flou et qu'on a l'impression que vous vivez un peu sur une autre planète, hein, monsieur Lassalle. Pour résorber le chômage, il faut parler. Non mais c'est ce que vous me dites quand même, c'est oui, quand même énorme. Mais il faut parler, pas uniquement pour résorber vous le m'inquiétez. Chômage. Vous m'inquiétez. Moi aussi je suis très inquiète. Il faut parler non seulement pour le travail, il faut parler aussi, tout simplement, pour se retrouver entre soi. Nous sommes dans un monde où il est plus facile d'avoir un interlocuteur à Honolulu sur la tablette que de dire bonjour à son voisin de palier. Donc il faut parler pour l'ensemble. Ah, ça c'est sûr que vous, à l'Élysée, ça va nous faire un changement. Alors, écoutez... Il y a un brin de commisération. Non, mais quand même, vous dites... Sur les les tablettes, ben oui, on est dans un monde où il y a des tablettes. Vous n'allez pas supprimer les tablettes aujourd'hui, monsieur Lassalle, tout de même. Par contre, je vais apprendre aux jeunes à s'en servir. Pour ne pas les subir. Pensez qu'ils ont besoin de vous? Oui, parce qu'aujourd'hui, ils la subissent. Ils les subissent.
Et aujourd'hui, il faut apprendre à se servir d'Internet, comme on a appris à se servir de la télévision, comme on a appris à se servir de la radio, des grands progrès que l'on a fait. Et nous n'en sommes pas encore tout à fait là. Ce qui me surprend le plus quand vous nous parlez ce soir, et je donne ensuite encore la parole à Yann et à Vanessa Burgraff, ce qui me surprend le plus, c'est que vous nous parlez, alors qu'on a reçu ici déjà des candidats à l'Élysée, vous nous parlez comme si vous étiez persuadé hein, que vous alliez être président de la République. Je le suis. Pour vous, oui, j'ai bien compris, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. C'est ça qui m'inquiète le plus, voyez-vous. Mais écoutez... non, mais je vous le dis franchement, ça me fait peur. Non, mais parce que... Même les autres doutent. Parce que le peuple a envie... Mais ils ont raison, ils doutent d'eux-mêmes. Comment voulez-vous qu'ils fassent quelque chose pour la France? Ils sont tremblants comme ça. Ils sont en train de jouer pour la place de finaliste. Puisque l'autre est déjà prise, hélas, par Mme Le Pen, qui joue les variables d'ajustement entre le PS et le Républicain, qui disent tous la même chose depuis 20 ans, et les quelques centristes qui restent aussi, puisque nous avons tous fait les mêmes choix. Donc c'est normal qu'ils ne soient pas dans le même état d'esprit que moi. Moi, je suis déjà habité par la fonction. Je suis déjà en train de demander au peuple de me soutenir, parce que j'aurai des décisions difficiles à prendre. Yann Moix. Alors, j'ai compris que vous aviez lu mon livre, donc moi aussi j'ai lu le vôtre. Et alors, il y a des choses quand même extraordinaires. Là, vous êtes en train de marcher, puis vous arrivez dans une cité un soir... Et on vous prend à partie. Dis donc, espèce de PD, t'as rien à foutre ici. Regarde, j'ai qu'à passer un coup de fil, répondez-vous à la personne qui vous invective. Le type vous dit, tu ne repartiras jamais d'ici. Et alors là, il y a une scène surréaliste. Puis survient un deuxième événement tout aussi incroyable. Une femme en noir apparaît à une fenêtre et s'écrie. C'est le député qui marche. C'est le député de la grève de la faim. Elle est immédiatement reprise par des dizaines de voix. J'entends des you-you. Des femmes agitent de petits chiffons blancs. Tout est allé si vite, de leur fenêtre, les gens m'interpellent et me demandent un autographe. Je n'avais pas vu ça depuis la libération de Paris, ou la victoire en 98 de la France au Mondial. Et je voulais savoir s'il y avait d'autres preuves, du moins, de cette scène d'abord, que vous écrivez. Parce que ça me paraît inouï. J'ai prolongé la question. Il n'est pas anormal. Que je ne me moque pas de vous, ça me paraît inouï. Une scène semblable depuis la libération de Paris. Libération de Paris, parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose, en effet, depuis. Quelques éléments, mais ce que je raconte, c'est exactement, très exactement, la réalité. Vous savez quoi, monsieur Lassalle, ben, vous êtes un drôle de type. Hein. Ben, ça, c'est sûr. Vous êtes un ovni dans le monde politique, ça, c'est certain. Mais quand même, une question toute bête, au fond, puisque ce soir, vous nous le confirmez, vous êtes candidat à l'Élysée, vous avez même l'air... Ça, je le confirme. Ah oui, vous avez même l'air de croire que vous y serez élu. Mais je serai élu, je dois vous expliquer pourquoi. Les Américains, oui. avec leur envie de mettre tout l'establishment en l'air, vous voyez, pourtant, il arrive... Ils ont élu Trump. Donc, vous êtes le Trump français. Donc, les Américains ont élu le milliardaire le plus milliardé du monde, et qui n'a rien de très agréable. Et les Français vont élire le député le plus modeste. C'est ça aussi. Modeste, je ne suis pas certain que ce soit le mot qui vous convienne. Financièrement. Ah, donc financièrement, alors là, oui, peut-être. Financièrement. Et sur le reste aussi, je suis modeste. Mais justement. Seulement ce soir, je suis obligé. Ce soir, c'est à la vie, à la mort. Ah. J'ai dit ce matin à ma femme, ce soir, je t'achète une maison où tu porteras mon deuil. Là, ce n'est pas de moi non plus. Et j'ai repris une très belle phrase. Mais donc quand même. Je sais que c'est une émission qui est, pour moi, ce soir, déterminante. Bon, j'espère qu'elle le sera positivement pour vous. On verra bien les commentaires après votre passage chez nous. Mais concrètement, combien de signatures vous avez pour être candidat à la présidentielle? Il faut 500 signatures. En dehors de celle de Pascal Montolon. Hein. De Pascal... De Molon. De Molon. Excusez-moi. Il avait mal prononcé. Tu sais, Montolon, là. Avec Monsieur Lassalle, ça fait 3 Molons. Il avait mal prononcé. Allons-y. Excusez-moi, Pascal. Excusez-moi. Alors, bon, écoutez, quand on s'apprête à devenir président de la République, il faut être aussi précis que possible. Alors, j'ai dépassé les 300. Vous avez dépassé 300 signatures. Oui, je suis en route pour les 350 parce que vous savez comment ça se passe. Vous êtes en pourparlers avec plusieurs maires. Donc, je fais plusieurs déplacements. Par exemple, pendant les vacances de Pâques, tiens, là, je fais comme vous. Vous aussi, vous avez de l'effet sur moi. Ça arrive, les lapsus. Oui. Mais, on ne se mariera pas, puisque vous avez voté contre le mariage pour tous, je vous le rappelle. Oui, mais... Trois mois après... On est plus proche du deuil que de la maison, là. Trois mois après, je célébrais
le premier, et d'ailleurs à ma connaissance, il n'y en a pas eu d'autre depuis, le seul mariage entre deux femmes. Et c'était un très beau mariage. Vous avez accepté la loi. Oui, mais j'aurais voté, j'allais voter ce texte, sauf qu'à la fin de ce débat que j'ai vraiment pas aimé du tout, et que j'aurais voté depuis le début, où je trouve que nous sommes descendus très bas les uns et les autres. Et ça a créé d'ailleurs une grave griffure à l'intérieur du pays. Ça, je l'ai ressenti partout. Nous n'avions pas besoin. Et ça, c'est notre faute à nous, et parlementaires. C'est la faute à personne d'autre, c'est pas la vôtre, c'est la nôtre. Nous avons politisé à l'extrême cette affaire, parce que je pense que François Hollande a voulu faire de cette histoire, qui était quelque chose d'intime, de très fort, l'équivalent de l'abolition de la peine de mort par François Mitterrand, ou l'équivalent de l'autorisation d'interruption de grossesse par Valéry Giscard d'Estaing. Oui, Simone Veil. Donc, je pense qu'il ne fallait pas politiser. Mais ce qui est arrivé à la fin, c'est la possibilité pour une femme de pouvoir porter un enfant pour autrui. Et j'ai tout de suite vu... Pas dans la loi qui a été votée. Non, mais c'était le débat qui courait, d'autant que... Oui, mais puisque c'était plus dans la loi, vous auriez pu voter pour. Non, mais là, on n'était plus sûr de rien, parce que le débat était tellement surréaliste. Souvenez-vous bien de l'époque. Nous avons passé 4 ou 5 mois à dire des horreurs que j'ai encore. J'ai dit même un jour à l'Assemblée, écoutez, mes chers collègues, heureusement qu'il n'y a que deux sexes. Donc pour vous, il n'y a pas l'ombre d'un doute, vous pourrez être candidat à l'Élysée. Écoutez, franchement, si après avoir été élu si longtemps, il y a 40 ans que je suis maire, oui, c'est vrai que je l'étais à 21 ans, après avoir été député si longtemps, je ne suis pas capable de trouver 500 signatures en France, alors ce jour-là, je vous autorise à dire encore un peu plus que certains en disent ici ou là. Donc je n'aurais pas été invité. Certains disent que c'est votre grève de la faim qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez plus le même raisonnement qu'avant. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ils se trompent. Au contraire, j'ai pris énormément confiance en moi. Je me suis un peu abîmé physiquement, puisque j'y ai laissé l'intestin grêle, mais peu importe les détails. Je ne peux pas manger tout à fait régulièrement, mais j'ai surtout gagné beaucoup de confiance en moi, celle qui me manquait. Parce que j'ai vu que je pouvais tutoyer la mort. Il y avait toutes les raisons de penser que les tueurs de Total allaient me flinguer. Ils étaient tellement puissants. Thierry Desmarais était le patron le plus aimé du monde. Et jusqu'au dernier moment, et ma femme au téléphone, elle disait, tu n'accames pas, aller jusqu'au bout. Et j'avais écrit devant le notaire ce que je voulais qu'on dise quand j'aurais été au bout, parce que je ne voulais pas que mes 4 enfants... Là, vous êtes dans la théorie du complot. Vous imaginiez que les gens de chez Total pouvaient vous tuer? Oui, mais c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Hein. Vous savez, leur psychologue, ce n'était pas des psychiatres, venaient me rendre visite tous les jours. C'est un combat qui est devenu un combat national puis international. Je tiens quand même à rappeler que pour quelqu'un qui apparaît comme ça, comme un petit oiseau sorti de nulle part, un journaliste helvétique m'a fait remarquer que j'avais fait venir par 3 fois l'ensemble des journalistes de la planète à Paris sans verser une goutte de sang. Eh bien, ce jour-là, je me suis opposé à la délocalisation d'une entreprise parce que Total n'avait pas fait le minimum de ce qu'il aurait dû faire après avoir gagné beaucoup d'argent, surtout en récupérant, parce qu'ils sont arrivés à la fin, le plus grand paquet de contrats pétroliers, y compris dans le golfe Persique, qui n'a jamais existé. Et vous savez qu'il y a eu Roland Dumas, Madame de Végencourt, etc., qui ont été bons. Et on a eu beaucoup de contrats. Et ils n'ont pas, même pas nettoyé 1 mètre carré de terrain et aucune entreprise. Ils avaient décidé de faire venir, dans un rayon de 250 km, toutes les entreprises pour faire croire qu'il y avait reconversion. Et en même temps, j'ai voulu dénoncer les 750 000 entreprises, surtout des petites et des moyennes, qui étaient en train de disparaître en France et qui fait que nous avons aujourd'hui ce chômage de masse féroce. Dernière question de Yann Moix. Les candidats à la présidentielle ne parlent jamais de culture, sauf pour regretter qu'on ne parle jamais de culture. Donc ma question va être d'une simplicité diaphane. Quel est votre livre préféré? Quel est votre film préféré? Mon livre préféré, je crois que... c'était les raisins de la colère, parce que je trouve que nous sommes dans une époque qui ressemble à nouveau étrangement à cette époque-là. Et le film? Quel est votre film préféré? J'en ai beaucoup. Les raisins de la colère? Le dernier que j'ai vu en salle, en vérité, lorsqu'il est sorti, c'était « Il était une fois dans l'Ouest ». Ah oui, mais vous êtes allé au cinéma depuis 1969. Salle, mais des fois je m'y suis endormi, des fois vous savez,
Mais, comme la dame là-bas. Voilà. Mais qu'est-ce que j'ai aimé? Vous savez, j'en ai en cité un comme ça parmi tant d'autres. Il y en a eu de super. C'est un bel hommage à ça. Allez, Z. J'ai aimé beaucoup Z de Costa Gavras. Costa Gavras, oui. Et j'ai aimé 1969 Rostir. Aussi. Oui, mais... Décidément, c'est votre année. Comme le cinéma a été ouvert cette année-là. Écoutez. Ouais. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Non, non, je ne vous juge pas. C'est des belles réponses. Hein. Merci. Et vous avez eu de belles questions aussi. Merci, monsieur. C'était ça. Non, alors, on va se quitter, bons amis. Vous voyez, c'est très bien. On va vous souhaiter bonne chance. Il va falloir bon courage. Vous en aurez besoin. Vous semblez n'avoir aucun doute. En tout cas, moins que nous, c'est certain. Vous avez, au fond, une méthode. C'est la méthode Coué, vous, hein, j'ai bien compris, pour être président de la République. Ah bah oui, ça ressemble un peu à ça. Non, c'est la méthode Coué. Je vais être président. Je me suis préparé pendant une dizaine d'années dans la plus grande des violences des nuits sans sommeil et des cauchemars qui sont rarement joyeux. Je vous dis toujours ce regard dans la glace, le regard d'un salaud qui vient de profiter des 60 ans de paix de son pays sans jamais avoir eu le tocsin qu'il appelait quelque part. Et aujourd'hui, alors que mes 4 fils de députés ont moins de chances de réussir leur vie que n'en ont eu les 4 fils de berger de mon père, je m'en irai. Non, je serai président de la République grâce au peuple et je lui demande de se mobiliser pour me soutenir dans l'action que je conduirai dès mon élection. Eh bien, on termine par un discours. Merci, monsieur Jean Lassalle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Laurent. Et je rappelle, merci à vous, je rappelle la sortie du livre Un berger à l'Elysée aux éditions de La Différence. Quant au film, voilà. Au film réalisé par Pierre Carle et Philippe Prespinas, il sortira le 8 mars prochain. Bonne chance. Merci, monsieur Lassalle. Alors là, je dois dire...